Traiter les matières et entrer au président dans une plénière.
Ils ont violé la Constitution et c'est une mise en garde de la population. Et nous avons décidé à tout moment de commencer à venir manifester. Malobi, fils Mugogo, dans cette vidéo, Babosa est fils Mugogo, un combattant. Et si Gabitou Mezali, et si Gabitou Mugogo, un ami. Des mobilisations spontanées. Oh, tu salues où des amis. Non,
Kimouye bimboko mobimba. Basombi ba mapang. Ba police. Tongi tongi ba police mobao. Ata mota sana lupang. Me bazana bana, bazana basi bazo tani sabana na souffrance. Lelo bazo pour venir pour na kolobe. Lelo tozi décision. Ye mabunda. Na biso na inaza combattant ya IDPS na kokufa combattant na sina boti lelo na isa kabila weza kabila mama nanga bota nga boti mama nanga bota nga boti numa boto sala bona interese general na ba police na biso na ba ngobe kanya mafuta bokate kanya mafuta ya ya kando lo mtu bazoti na yo madela bokoza Président, avant de mettre la vidéo.
qui est le peuple congolais. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, ces peuples-là constatent que non, la volonté, leur volonté dont ils ont exprimé commence à être tourbillée petit à petit. Alors, c'est ainsi que le peuple se prend en charge. Le peuple se prend en charge et nous disons que nous qualifions l'acte qui est posé par le président de l'Assemblée nationale. Je dis bien que ça, c'est une haute trahison. Je dis que c'est une haute trahison. Une haute trahison. Je dis bien cet acte, ça s'appelle haute trahison. Vous savez très bien que Monsieur le Président Félix Tshisekedi a dit qu'il ne voulait pas faire la chasse aux sorcières. Donc il avait toute volonté de travailler en paix avec tout le monde. Mais nous constatons quelque chose. Ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est que un sorcier reste toujours un sorcier. Donc, un sorcier reste toujours un sorcier. Donc, voilà, voilà comment les acteurs qui ont commencé à poser. C'est ça ce qui montre clairement que non, un sorcier reste toujours un sorcier. Merci beaucoup. Aïe, bisakine de base, aux populations, basangani na base.
Awa ndeza peuple congolais. Ya yebisa kinde base na limité. Awa peuple congolais kutani na base. Abima yebisa pe biso. Toko yokate. Toko longola kabila na kinga kati toko pesa yena maboko mindele. Yende aza la base. Okisa kabuya na bakabun. Bayoka bango na base. Biso to ba peuple congolais. Toza wana pona fati. Okay. Alors, on va faire un message. Ah, oui. Thank you.
avez un message. Vous avez un message à passer. Vous avez un message à passer. Message? Oui. Nous sommes venus imposer la majorité populaire et demander le départ de Jeanine Mabunda et la fin de la coalition FCC Cash. Nous nous prenons en charge. Vous avez dit la fin de la coalition? La ouais. Fin, la fin, papa. C'est une coalition contre nature. Merci. Nous exigeons la levée de l'immunité de M. Nawesh. Il est rwandais, n'est pas congolais. Il ne peut pas insulter sur la personne du chef de l'État. Les ordonnances du chef de l'État sont sacrées. On ne peut pas discuter les ordonnances du chef de l'État au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous exigeons la levée de l'immunité de M. Nawesh à l'immédiat. Si on ne le fait pas, nous allons continuer à faire les actions de grande abeille. Voilà la marche même contre le voilà. Nous disons ceci. Ces gens, nous nous avons déjà anticipé. Nous, les parlementaires debout, on avait déjà publié un communiqué depuis vendredi. Demandant, donc nous avons exigé. Les gens qui nous ont dit ont compris. On avait déjà anticipé ces événements. Et puis, les ministères de souveraineté ne sont pas négociables. Si nous entendons seulement un ministère de souveraineté entre les mains du FCC, ça sera encore très pire et ces gens ici doivent partir en masse. Nous allons les assiéger ici pendant autant de jours jusqu'à ce que ma voix sera aux arrêts et puis ma bonde doit rendre le tablier. C'est à ce moment-là où nous allons cesser les manifestations. Nous continuons avec les actions de grande envergure. Jusqu'à tel point que Mabunda va partir. Il faut partir parce que Nawesh, nous sommes sur la levée de l'immunité. Ce n'est que le début. Pardon? Ce n'est que le début, mon frère, je t'assure. Nous sommes déterminés. On ne peut pas insulter la personne du chef de l'État. Et Nawesh, rwandais, qui veut insulter le chef de l'État. On ne peut pas discuter sur les droits qu'on nous montre. Le chef de l'État violait la loi où? Où est-ce que le chef de l'État violait la loi? Les ordres qui viennent de signer. Nous mettons en garde Mabunda. Kabila, Mabunda. Et Kabila. Kabila est un cri. Il est derrière cette affaire. C'est lui qui travaille dans l'ombre. Il est le roi dans l'ombre. Nous mettons en garde tout le monde. Nous sommes déterminés à chasser tout le monde pour imposer la majorité populaire au sein de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avions constaté ensemble avec vous que le Parlement congolais en général et en particulier, les gens du FCC n'ont pas la bonne volonté de dire le président de la République. Voilà pourquoi nous, la population. Je vais bien vers. Je vais bien vers. Un agenda caché, mon frère. Agenda caché, ça va presque présent la République. Pourquoi comment ça fait causer la coalition? Pour que tu insultes les chefs de l'État par rapport à quoi? Pourquoi d'abord Mabunda aille de Sabisso? Il s'agit d'une loi constitutionnelle qui exige que chef de l'État pour le chef de l'État va débattre dans le Parlement. Deuxième question, nous posons Mabunda. Aïe, expliquer Bisso, Parlement, dans quel pays du monde? Oh yo, et ça, que non, son chef d'État sur l'ordonnance, il faut être capable de débattre à l'Assemblée nationale. Il y a ma question, tu as posé, maman. Pourquoi il y a l'agenda caché? Il y a votre nom. Coalition FCC, cache en la mort. La maille. Mariage contre.
Police.
Félicien Pierre, l'observateur populaire de l'activité parlementaire par les élus. C'est le peuple qui a le pouvoir et qui a mandaté ses élus, entre guillemets, pour siéger en son nom. Le président de la République est une institution protégée par les lois de la République. Ce que les FCC ont fait, c'est une violation, une atteinte aux lois de la République. Nous disons aux députés FCC et aux députés Cash, ils ne doivent pas se plaindre, aller supplier ces gens-là de retirer leur motion. Ces parlementaires FCC, il y a plusieurs criminels, plusieurs mafiosi, plusieurs détourneurs de deniers publics. L'FCC est rempli de vautours. Leurs dossiers sont là disponibles. Les députés Cash doivent prendre aussi. Et ils avaient prôné tout sur nous. On s'attaque au chef de l'État et aussi d'autres bandits, des dossiers de pillage, des crimes. Ils doivent les brandir. Ils ont peur de quoi? Ils supplient qui? Le pouvoir est entre les mains du peuple. C'est pourquoi vous voyez le peuple qui est électeur, il se manifeste. Soit il s'aligne sur le droit chemin amorcé par le président. Oui, c'est ça. Le président, ils ont parlé en français. Pas pour français pénal. Ils ont monté leur mauvaise foi. Ils ont construit une majorité factice. Si, si. Mais nous, le peuple, nous sommes plus que majorité. Si, si. Le pouvoir est ici. Ils vont voir vos images. Ils s'alignent. Et ils doivent se repentir. Sinon, vous allez à Bango. Continuez. FCC Cash. FCC Bazam majoritaire l'Assemblée
l'Assemblée nationale, puis ce peuple est toujours majorité pour la mort à Mobimba. Puis ce qu'on déboulonne dans l'Assemblée nationale, la présidente n'a pas Maboune, Bangon soit député. Bango va sa majorité dans le Parlement, mais puis ce qu'on a majorité pour la mort à Mobimba. Tous ça 80 millions de population. Pour la mort à Mobimba. Et tu vois, ils ont averti.